Arc, ouais, mais les gars, vous verrez jamais du arc sur cette game. Vous verrez jamais du arc sur ma chaîne, les gars. C'est juste trop nul, arc. C'est juste trop nul. Criminals, Cop Patrol, ok. Bon, ça me paraît pas mal. C'est parti, on va ouvrir le motel, mesdames et messieurs. On ouvre notre motel. C'est parti, mesdames et messieurs. Ça, vous adorez. Ça, vous adorez. Oh, jeune entrepreneur dans son bus. Alors, il y a du lore en même. Il y a du lore, les gars. Excusez-moi. Il y a du lore en plus. Merci Yomonia pour les nouveaux Twitch Prime. 9 mois à l'effort. 13 mois Frozen Flood. 9 mois Gem Knight. Shadow Rays. 11 mois. Merci mes chéris. Motel. Ouh, oh, mais attends, c'est pas un motel, c'est une prison ça. Hein? C'est une prison ça? Ouh, attends. Oh, il y a du gaz. Read the letter. Alors attendez, je vais passer en QWERTY parce que là je le sens mal. Uvo Guinée pour les 10 subs. Mettez des cœurs dans le chat. Merci mon gars. Pouh. Merci mon gars. Du fond du cœur. Merci. Merci Gemlight. 9 mois. Merci, merci les gars. Bienvenue, 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 bienvenue. J'ai perdu 17 euros. My Hi, grandson, grandchild. what took you so long? If you're reading this, it means I'm long dead. I just want to tell you that En I'm gros, c'est proud mon of you, and I grand-père know qui you will m'envoie take care of ça et qui me yourself. dit que voilà, That's why I left maintenant. you nothing. I've decided to leave this letter for you in this abandoned place for no reason at all. Il me dit qu'il m'a laissé cette lettre pour rien et qu'il m'a rien laissé. Voilà. Il dit que voilà, il est mort et qu'il m'a rien laissé. Voilà. Genre, il n'y a pas d'héritage, rien. Alors. Turn the power on. When your energy is depleted, you can't run. Sleep in bed or eat. Ok, donc là j'ai tous mes trucs. Ok, m'explique comment ça fonctionne. Donc j'ai une barre de sprint, etc. Une 30, ça va, c'est pas très cher. Après, c'est ça, c'est une 30 aux US, je crois. Là, on est à quoi? 2,40 en français? Mais en FR, je sais pas si je peux mettre en FR. Language, ouh, français, très bien. Très bien. Attends, c'est des poubelles ça? Attends, viens, on suit le tuto. Accrocher la prise au mur. Brancher l'ordinateur, ok? Waouh. Hein? Accrocher la prise au mur. Ok. Ok. Comment je branche? Verrouiller. Utiliser. Brancher l'ordinateur, mais comment je branche? Ah là, il faut choper la prise. C'est technique. C'est technique. Ramassage et placement. Maintenez la touche contrôle enfoncée pour ramasser plusieurs objets. Vous pouvez verrouiller des objets pour marquer. Ok. Y a une poubelle? Nettoyez votre bureau. T'as à me dire qu'il n'y a pas de poubelle? J'ai pas de poubelle. Comment je sais s'il y a des trucs utiles? C'était quoi ce bruit?
Ok, bon bah ça va. Après, si j'ai pas de poubelle et que j'ai ça, ça va. Ok. Tab. Ah, bien vu. Ah mec, ils l'ont pas dit ça. Hein. Ils l'ont dit? J'ai peut-être jeté un truc qu'il fallait pas. Hein? Ok, vous voyez pourquoi? Eh, je pense que le jeu est fun parce qu'il y a un... Chat, vous voyez quand il y a des guns, des trucs, généralement le jeu il va un petit peu plus loin quoi, tu vois. Voilà. Généralement, ça va un petit peu plus loin. Le volant, je sais pas trop à quoi ça sert par contre. Alors là, on a fait un truc clean. Placer deux plafonniers dans la pièce 01. Trouver deux plafonniers dans l'entrepôt. Attends, mais j'en ai niqué un, je crois. Ah non. Ok, nickel. Tab. Poubelle. Oh, mais c'est nickel. Ah, ça, c'est des entrées d'eau, je crois. Ah, mais il y a tout qui rentre dans le poubelle, les gars. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Il y a des aliens. 100%, il y a des aliens. Il y a des aliens, les gars. Récupérer les morceaux du sol de seau de peinture dans l'entrepôt. Construire le sol. Ok. Vas-y, on va continuer. Nickel. Nickel, c'est nickel. Ok. C'est ça? Ça, c'est quoi? C'est une poubelle? Bon, ça a l'air d'être une poubelle. Alors, F, sol. Il me dit quoi là? Aménagement de la salle 01. Récupérer les morceaux de sol. C'est là? Salle 01, non, c'est ça, c'est ça. Construire le sol. Récupérer les morceaux de sol. Seau de peinture dans l'entrepôt. Attends, c'est ceux que j'ai balancés à la poubelle? Ok. Quelqu'un voit du sol? Équipez-vous de votre rouleau à peinture et peignez le mur. Non, je crois que les gars... Il faut que... En fait, il me dit de commander, je crois. Ouais. Il me dit de commander, les gars. Oh, waouh! Oh, waouh! Chambre. C'est vrai que c'est des chambres d'hôtel, j'ai complètement con, j'ai oublié que c'était une chambre d'hôtel, je pensais que c'était un gas station. Ok, il nous faut des pots de peinture, décoration, pièces de construction, sol. Eh, attends, on va aménager la pièce d'un hôtel là. 10 balles pièce, ça c'est le bois de palmier, j'aime bien ça. On fait quoi comme sol? Un sol plutôt sombre, non? J'aime bien lui, j'aime bien. Allez hop, ça part. Plafond. Mur. Les murs, je fais comment? Mur blanc, non? Comme ça? Pas d'ASN, ton entrepôt achète rien. Vous
Va dans entrepôt, achète rien. Mais qu'est-ce que tu me dis alors? Attends, je suis pas dans l'entrepôt, attendez. Ah, je suis pas dans l'entrepôt, les gars, pardon. Ça, c'est l'entrepôt. Voilà. Je prends mon pot de peinture et on y va, baby. Eh ouais, les gars, ok. Ok. Alors c'est terrible hein, que ce soit carré par carré les gars. Ça me grille les yeux les gars. Mais qu'est-ce que c'est stylé les gars. La technique en fait c'est d'aller entre les trucs. Le plafond je le fais comme ça ou pas? Est-ce que le plafond c'est la même couleur que les murs les gars ou pas? Oui. Oh, j'avais trop faim. Oh, j'avais trop faim. Merci. Ah, j'avais trop faim, les gars, j'avais trop faim. Ananas mangue. Crêpe faite maison. Et des chocolats philippins, mesdames et messieurs, tout droit venus des Philippines. Et il y a un croc déjà dedans. Si tu restes appuyé sur eux, tu peux faire plusieurs en même temps. Ah ! Ça, ça fait du bien. Si tu restes appuyé sur eux, tu peux faire plusieurs, ok. Je t'aime. Merci, je t'aime. Coucou Lox et Tads, merci pour le code Enshrouded, c'est vraiment super gentil de ta part. Je suis sûr que c'est mon remède pour sortir de la dépression. T'inquiète, mon gars. Toi, je te kiffe, mec. J'ai la vérité, c'est pas ton remède. Désolé. C'est pas en s'enfermant dans un jeu vidéo les gars qu'on sort de sa dépression. J'ai testé et j'ai pas prouvé. Ah je vous le dis. Ah je suis désolé. Ah, les gars, je suis désolé, je préfère être vrai avec ma commu les gars. J'ai testé hein. J'ai testé les gars. J'ai testé bien plus que vous les deux. Bien plus que vous tous. Heureusement que le mec il m'a dit ça là. Restez appuyé sur eux, sinon je serais comme un connard encore là. Si seulement c'était aussi rapide IRL les gars, franchement j'aurais déjà fait des appartements. Maintien de contrôle avec un pot de peinture plus carrelage. Ouais. Le plafond les gars. C'est moi ou c'est pas la même couleur? T'as le plafond ou pas? Est-ce que le plafond je fais les gars? Même couleur?
J'apprends le jeu, les gars, et il a l'air formidable. Il a l'air formidable. Il a l'air formidable. Je suis à 8 litres de peinture sur, sa, sur la gueule ici, là. Je suis à 8 litres. Ok, j'arrive avec le bombardement. C'est l'heure du bombardement tactique. Elle fait mal aux yeux. Ouais, je suis navré. J'essaie de baisser la luminosité. Force à nous. C'est quoi ça? Ça, c'est du carrelage. Le carrelage, il se met là, hein, d'accord, hein. Le carrelage, c'est bizarre. Ouais, je préfère ça déjà. Ils nous font faire des atrocités. Ils nous font faire des atrocités. Si je repasse au même endroit, vous pensez que je repère de la peinture ou pas, les gars? Non? Viens, test. Ça marche, c'est bon, c'est bon. Ok. Il me manque le plafond ici, les gars, et j'ai gagné. Chat, le plafond, il est quelle couleur? Ah non, c'est la même couleur, hein. Mon plafond, il est pareil. 200 balles, gagné. J'ai gagné, les gars. Il y a vraiment des trucs styler par la suite. Là, c'est le tuto accent circonflexe, accent circonflexe. Oh là là, ils essaient de me le vendre en plus. Mec, ils vont me faire faire un magasin et tout là. Mec, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Alors, c'est quoi tu dois vérifier les équipements manquants dans les ordinateurs. Ordinateur. Salle. Utiliser ordinateur pour acheter ces équipements. Livraison. Équipement. Eh non, mais y a un lit là, ici là. Ah mais je crois que c'est mon lit ça, non? Chat, c'est mon lit ça. Viens, on dort un peu là. Eh, viens, on dort un peu. Les gars, mon gars là, mon gars, ça, il a bossé quoi. C'est supermarket, plus gaz, plus motel. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que plus on avance dans le temps, plus on va avoir un simulateur qui sera digne de ce nom, hein. Plus tard, les gars, on va avoir des simulateurs, les gars, qui seront... Merde. Qui seront tout. Ils feront tout. Alors, ordinateur. Livraison, équipement. Alors, je suppose que ce qu'il y a là, c'est que j'en ai besoin, c'est ça? On voit pas les étoiles? Bonus 0,5. Ah si, c'est des bonus. Donc si je prends celui-là, je gagne... Eh, chat, je prends une belle chambre, 1006. Officier? Officier, aussi, il y a des aliens. Mais c'est pas tout seul ici. Officier, il y a des aliens. Je regarde pas. Officier, il y a des aliens. Il y a des aliens. Officier, il y a des aliens. Me casse.
Bon, je crois qu'il en a rien à foutre des armes. Bon, après, c'est les États-Unis. Je crois qu'il était plus intéressé à de la drogue. Je crois. Donc, ça, ce qui est très intéressant. Si les flics passent, techniquement, c'est qu'on peut faire quelque chose d'illégal. Et il est venu checker cette pièce, et donc j'apprécie. Donc, ça veut dire qu'on peut faire de l'illégal, les gars. Et moi, j'adore faire de l'illégal, les gars. J'adore. J'adore. Dans les jeux vidéo, bien sûr. Alors, est-ce qu'on prend un Big Bed qui fait des bonus? Est-ce que je prends un Big Bed? Ou est-ce qu'on fait la room de Clodo, les gars? Room 4 étoiles? Allez, boum! Oh mon dieu! Dradley, comment on les met? Blanc. Hein. Couverture. Équipement nécessaire, ok. Couverture, couverture. Bonus, bonus, bonus. On veut du bonus. 2 euros, 2 euros. Blanc. Oh putain, oh putain. Eh, ça intéresse donc tout ça! On prend du blanc aussi. Porte. Oh waouh. Oh waouh. Waouh. Bienvenue dans l'hôtel. J'aime bien celle-là, les gars. 4 euros, malheureusement. 4 euros, je peux pas. 4 euros. Je peux pas. Je peux pas, les gars. Je vais devoir prendre une horrible porte. Une horrible porte, les gars. Au pire, hey, franchement, on nique sa mère, non? 4 euros. Plafonnier. J'en ai déjà, non? Pourquoi il me demande de racheter? Bonus 7,50€. Attends, mais c'est méga worse. Cet horrible plafonnier, là. 7,50€. Max par chambre, 2. Faut un comme ça et un comme ça dans la salle de bain, hein. Oh mon dieu, je vais me ruiner. Une baignoire. Bah je vais prendre la baignoire de coin, hein, comme ça, c'est cool. Le lavabo. Je vais prendre le double lavabo. Moi, je suis un grand fan de double lavabo. Moi. Je suis un grand fan du double lavabo, moi. Je suis un grand fan. Les serviettes. Bah on va prendre des serviettes en coton égyptien, mesdames et messieurs. Hashtag en blanc, hein. En blanc. Les toilettes. Toilettes VIP blanches. J'aime bien les toilettes noires, mais là j'ai trop pris de blanc. Le PQ. Alors le PQ, on va prendre du PQ bonus. Hein. On va prendre du PQ bonus, hein, les gars. Il y a du PQ jaune. Hein, voilà. Horrible. Et le chauffage. Le chauffage, on va le mettre... Je suis obligé de prendre cet horrible truc. Enfin, je vais prendre ça. On est à 800 euros. Je suis mort. Je suis terriblement mort. Ah, il y a plein de trucs qui me donnent des bonus là, regardez, vous voyez. C'est très stylé ça, j'aime bien. Alors, on va suivre le tuto, les gars. Le volume du véhicule est insuffisant. Putain, ils sont durs en affaires. Ça va payer. Vous inquiétez pas, ça va payer. Ça va payer, les gars. Ça va payer. Ayez confiance. Ça sert à vendre ça? Merde, j'aurais peut-être dû vendre des trucs là, genre là. Peut-être vendre des trucs là. Peut-être vendre des poubelles, non?
Il arrive quand le camion là? Il arrive quand le camion? Il y a des aliens! Il y a des aliens, je le jure, il y a des aliens! Vous voulez que je dorme? Ah, il est 3h du mat! Livraison à 3h01. Il est quelle heure là? Ah, tu veux que je dorme jusqu'à la livraison? Merde! Bonjour monsieur, ça fait 40 minutes que vous attendiez, je suis désolé monsieur. Ou cette porte? Oh mon dieu. Une seconde monsieur, j'installe une salle de bain. J'arrive. J'installe le lit. J'ai des fortes épaules. J'ai les épaules absolument fortes, monsieur. Ne vous inquiétez pas. J'arrive, monsieur, j'arrive. Je suis juste en train d'installer une chambre d'hôtel. J'arrive, monsieur. Pas besoin du chariot, les gars. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Le coussin Easy VIP. Ah oui, d'accord. Ah. Elles sont mes chiottes. Monsieur, les chiottes. Merci monsieur. Alors, clac. Comment elle est belle la salle de bain. Les clients ils vont adorer les gars, j'ai hâte d'avoir les retours clients. J'ai trop hâte. Oh là là. T'as oublié de prendre le sèche-serviette et le porte-PQ. Je l'emmerde le sèche-serviette, c'est un ouf lui ou quoi là? Attends, une serviette ça suffira non? Ou il lui faut plus de serviettes à ce bâtard? Parce que là il faut que je lui confisque hein. Ça c'est mort ça je garde, ça c'est de la renta ça. Oh la chambre elle est 5 étoiles. Elle est 5 étoiles la chambre. 5 étoiles cette chambre. Faut que j'économise l'électricité. J'avoue, il faut que j'économise l'électricité, les gars. Ah ouais. Attends, c'est quoi l'objectif? Vérifie les équipements manquants dans l'ordinateur. Salle. Ordinateur, salle. Attends, quoi? Max atteint, plus 0. Revenu prévôt, 0. Équipement manquant, porte. Ah, il manque une porte à l'intérieur pour séparer la salle de bain? Ok, je prends une porte à 3 euros, les gars.
Porte à 3 euros, l'intérieur, les gars, c'est bon, on va pas se faire griller, là. Ensuite, il me fallait quoi, les gars? Il me fallait un placard. Oh, wow. Oh, les placards, oh, le bureau, oh là là. Faudrait qu'on trouve le truc le plus rentable, chat, et qu'on le spamme. Je sais pas si ça marche. Ah non, il y a les max atteints, et ils sont intelligents, ils sont intelligents. Ils sont intelligents, il y a un max atteint. Sofa 47 pour 4,75. Mais attendez, c'est l'une des meilleures rentabilités que j'ai vues de ma vie. C'est l'une des meilleures rentabilités que j'ai vues de ma vie. Il me faut des draps aussi, non? Draps de lit. Encore un. Et un autre oreiller. Voilà. Et un autre blanquette. Giga Tchad! Faut une table de nuit aussi. Un petit tapis, ça pourrait être pas mal ça. Un petit tapis. Des livres. Articles de toilette. Accessoires. Oh, accessoires, c'est sûr. Ah bah oui, il faut un miroir. Il leur faut un miroir à ces pauvres gens. 25 balles pour 4,50, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bonus 3,50 €. Mais c'est incroyable en fait de mettre du shampoing et du dentifrice. C'est incroyable. C'est comme ça qu'on va les avoir. C'est comme ça qu'on va les avoir. Shampoing 0,4. Bain bouche 4 €. 3 €. Air freshener 1 €. Je vais exploser le camion là. La clim. Oh, la machine à café. Oh, un frigo. Il faut une télé, les gars, on est d'accord hein. Il faut une télé. Attends, il me reste 700 balles là, j'aurai pas le temps de faire Il y a pas une table de nuit? Ça c'est une table de nuit ça. Il faut une table de nuit quand même. Avec une petite lampe et tout là. Petite lampe là. Voilà les gars. Salopard. 200 €. J'espère qu'il y a un casino. Ah bah oui les gars. J'espère qu'il y a un casino les gars hein. On est foutu hein. Est-ce que les meilleurs lits? Attends, eh, regarde, je dors dans l'autre lit là. Oh. Il me repose mieux. Mon porte PQ et serviette. Merde. Porte PQ et serviette. Merde. Merde. Quand vont les loups de combat? Très bien, très très bien. Vraiment très très bien. Merci. Non mais elle est incroyable. Elle est incroyable, ma maison. Classe. Petit dentifrice. Petit dentifrice. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Comment. J'ai tellement hâte d'avoir les avis de mes clients. Ça va être une folie, les gars. Vous allez voir, les gars, les clients, ils vont adorer. Ça va être une folie. Une folie. Oh. Là, vous allez péter un câble, ça. Ça, vous allez péter un câble, regardez. Chut. Incroyable. Je suis un artiste. Je suis un artiste du Feng Shui. Petit shampoing ici. Petit shampoing ici.
double dose pour qu'ils puissent voler. C'est très important dans un hôtel de donner l'opportunité à tes clients de voler tes affaires. C'est un vrai game, c'est un vrai game. Plus le mec peut voler, ça a été prouvé d'ailleurs, plus le mec peut voler, plus il est heureux. Peu importe ses richesses. Quand t'es à l'hôtel, c'est normal de voler. Et du coup, ça fait partie de notre institution. Allez-y, volez. Volez, bande de bâtards. C'est fait pour ça. Bonjour, monsieur le livreur. Excusez-moi, je suis en train d'installer une chambre d'hôtel. Hein. Vous comprenez, c'est compliqué. Voilà, là, je crois que c'est bon. Vous pouvez partir. Cassez-vous. Non, mais là, la chambre d'hôtel, elle va me rapporter tellement d'argent. Oh là 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 là. Oh là là. Alors ça c'est le truc pour le PQ, clac. On en met deux hein, au cas où s'ils aiment pas, clac, on en met deux. Ça c'est quoi ça? Ça c'est de la mousse à raser, clac, on en met deux parce que nous on est généreux. On est généreux. Allez-y, volez. Volez bande de bâtards. Clac, ensuite je mets de la lotion pour les mains. Lotion pour les mains. Et c'est terminé. Et on remballe. Et on remballe. C'est cool de pouvoir prendre plusieurs cartons en même temps. Alors, ouvrir le motel. Oh là là, oh là là, oh là là, ça va être incroyable. Laissez-moi voir. 104 balles par nuit. Donc je rentabilise. Heureusement, heureusement on a fait ça les gars. Je rentabilise la chambre d'hôtel. Max atteint. Ah, c'est 1. Putain, donc tous les suppléments que j'ai mis, ils ne servent à rien. Ah. Bon, on va ouvrir. Comment j'ouvre? Denzone Motel. Provose. Attends, un bon nom d'hôtel, chat. Un bon nom d'hôtel. Aïe, aïe, aïe. Non, un truc qui fait pas genre, tu sais. Un truc qui fait pas noob, tu vois. Le high. J'aime bien les trucs en mode, tu sais, deux trucs. High. Platinum, moi j'aime bien platinum. Le high level. Le high level hotel. Triple H. Attends, j'ai du carburant? Motel, attends, station essence et boutique. Oh là 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 là, oh là 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 là, ça va cartonner. Alors mes clients ils sont où là? Mais c'est du sang ça. Il y a des loups? Pourquoi je suis en prison? Bonjour monsieur. Bienvenue dans le High Level Hotel. Puis-je prendre la portière? Motel. Puis-je m'occuper de la portière? Ah, bon, vous le faites très bien, c'est très bien. Très bien. Bonjour, bonjour, rentrez monsieur, rentrez, bien sûr, ne vous inquiétez pas, interagissez avec le détenteur des clés. Placez la clé de chambre et voici. Vous avez jeté des trucs par terre? Je vous dérange pas, monsieur? Ah, mais attendez. Interagissez. Alors, il aveut pendant 24 heures, j'ai besoin d'une chambre avec un lit. Attendez!
Prenez cette chambre. Awesome. Très bien. On a notre premier client. J'espère qu'il va pas voler tous les shampoings parce que je vous jure, j'ai gagné 350 balles. Attends, vraiment? Je vous vois, monsieur! Bon allez, casse-toi! Y'en a une bosse en fait! Mec, viens louer un motel pour rester toute la journée. Je vais te crever tes pneus, toi, bâtard, va. Y'a des aliens. Y'a des aliens, je le jure, y'a des aliens. Y'a des aliens, les gars, je vous jure. Faut que je finisse de préparer cette chambre, les gars, pour qu'on stonks. On fait le méga stonks. Alors, vous noterez, les gars, que vu que j'ai éteint les lumières, le mec n'utilise pas les lumières. Quick math. Quick math. Alors, ce qu'il me faut, les gars, c'est... ce qu'il me faut, c'était quoi? C'était un porte-chiottes. Attends, venez, on l'équipe full. On l'équipe full. Venez, on fait un équipe... on l'équipe full. Hein? Attends, non, je pourrais pas. Je pourrais pas. Attends, j'ai 600, je peux faire une chambre de merde. Mais ça me saoule de faire une chambre de merde, les gars. Mais tu prends combien de douches par jour, là? Chat, je dors et je stonks. Fais le carburant avant. Attends, commander du carburant. Ah bah oui. Livraison, carburant. 1 euro le litre. Go. Tiens, j'ai pas checké, mais je peux stocker. Ce sera à moi de mettre le carbu ici. Oh la boutique, mon rêve. Mon rêve, la boutique, les gars. Ouvrir la station service. Allez, ça part. Je suis en avance sur mon temps, les gars. Il faut que je nettoie en max. Oula, j'ai mon premier client. Client, carburant. Et ça se suce tout seul ou pas? Tu fais le taf ou pas? Il fait le taf, hein? Je crois qu'il fait le taf, non? Mettez la buse dans la voiture. Lève-lui tout en regardant la pompe. Quantité de carburant de commande se situe entre les deux indicateurs rouges. Tu veux quoi, connard? Are you serious? Non! Vous pouvez utiliser le générateur comme source d'alimentation temporaire.
Revenez en courant électrique, son poteau électrique une fois de la panne éteinte. Surveillez le voyant lumineux pour voir si le courant est rétabli. Ce que vous utilisez dans le doche, molette pour régler l'intensité lumineuse. Incroyable. Elle. Incroyable. Putain, j'ai failli le tuto, les gars. J'ai fait le tuto, elle, remplir la jerrycan. Ah, donc le jerrycan, il me sert en fait. Le jerrycan sert à me mettre du carburant parce que je suis alimenté au carburant. Mon générateur est alimenté au carburant. Bon, il faut que je me dépêche. Sans électricité, mes clients seront pas contents. Donc il faut faire attention. Quick math, he's right. Allumer le générateur, passer de l'alimentation, générateur. Circulation véhicule bloqué. Équiper le volant. Et interagissez avec la voiture coincée pour le contrôler et la réinitialisation de position. C'est le bouton entrée du motel pour réinitialiser le trafic. Non mais c'est incroyable, c'est moi qui contrôle là. C'est bon, comment je lâche? Incroyable. C'est incroyable. Ok, donc comment je sais que mon générateur patience, ouais, bah d'accord, bah monsieur, d'accord. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut 13 litres. Merde! Thanks. Ah! Placer l'étagère et le réfrigérateur de la caisse enregistreuse dans le magasin. Mais c'est toujours pas barré l'autre salopard là? Donc il veut quoi? Il veut la caisse, le truc, placer l'étagère, le réfrigérateur et la caisse à l'intérieur du magasin. C'est parti mon kiki. Putain ça va vite hein. Ça va très très vite hein. Alors moi j'aime bien faire un truc comme ça moi. Moi je suis ce genre de partisan tu vois. Je suis partisan de ce genre de choses. Clac, voilà. J'aime bien comment les étagères elles collent au mur et tout, c'est vraiment clean. On opti au max. On opti au max. Là je vais en mettre une deuxième, donc techniquement il faudrait mettre le réfrigérateur là, c'est RP de fou en fait. Produit doit être dans une étagère. Ok. Vous pouvez ajuster les prix dans l'ordinateur gestion tarification. Plus la note de la boutique est élevée, plus les chances d'achat sont élevées. Plus le prix que vous pouvez fixer est élevé. Ok. Carré. Je suis riche, les gars. Hop là! Great. On est riche, baby! Boum! Bon! Tu dégages de mon hôtel ou quoi? C'est quand même dingo! Comment les produits pour la boutique? Alors, le prix il est en baisse, donc c'est bien, j'achète, chat. Prix en baisse, j'achète.
C'est cool, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de trucs, donc... €400 ? Il faut de l'argent là. Il me faut de l'argent. Il me faut de l'argent. C'est la dernière fois que David tu me klaxonnes. Vous venez de me réveiller. Vous prenez pour qui vous en fait? Ils m'ont réveillé, c'est fou. Ah! Ils m'ont réveillé, en plus j'en mets trop d'essence. Merde! Dans les chambres, tu peux rien faire? Je peux rien faire, mon gars, mais. 198 € l'heure, mec. Ça, c'est incroyable. Augmenter l'espace de la boutique. Augmenter le nombre maximum de clients à recevoir. Entrepôt, salle de personnel. Augmenter la capacité de la salle de personnel pour accueillir plus d'employés. Chambre de motel. Motel parc. Le parking. Éliminer les pannes de courant. 2500 balles. 1000 balles, augmenter la popularité du motel 20%. Incroyable, hein. Chambre motel, téléphone payant. Moi, je le veux. Téléphone public que les clients peuvent utiliser. Je le veux maintenant. Les bus finissent par s'arrêter et déposent. Attends, il n'y a pas d'arrêt de bus ? What? Attends, il faut que je dorme. C'est à quoi d'acheter un camion? Il arrive quand mon camion? 2h05, il est quelle heure? Ok, on attend. Ça veut dire quoi? Ma jauge de boutique elle est en train de mourir? Qui m'a klaxonné là? C'est quoi là, les clés, la boutique? Merde. Ok. Casse-toi. Allez, mec, le jeu il est clean, hein. Mets tout dans l'entrepôt et utilise ton inventaire. Ah ouais? Comme ça? C'est quoi ça? Brise. Ah merde. Vous êtes sûr que je pourrais faire ça? C'est multi, malheureusement non. Putain, elle est où la prise? Je vois pas la prise, les gars. Ah, c'est le frigo qu'il faut brancher. La caisse, j'ai pas besoin de la brancher.
Au moins, il m'a laissé un tip, ça. Ok, j'ai pas besoin de manger. Donc c'est bien si le réfrigérateur il est contre un mur quoi en fait. Oh waouh. Eh là je carbure là. Il me reste plus beaucoup d'essence non. 22 litres. Thank you. Accélère, accélère. Litres, Keikona. Great. $46. J'avais pas déjà enlevé ça, moi. Et il se barre quand, en fait, le mec, là, de mon hôtel? Ah, c'est la propreté. À gauche, c'est la propreté. Donc, en gros, ma boutique, elle est nickel, là, maintenant. Alors, comment je mets des produits, les gars? Je peux pas le faire, hein. De mon entrepôt. Fais le check-out de la chambre. Tu vas sortir de cette foutue chambre. CF. Putain. F où? F quoi? F, c'est pas bien? Waouh! Non, mais attends, je vais devoir nettoyer les draps, les gars. Oh mon dieu. Il est sorti là, non? Je t'interdis d'allumer les lumières sur le petit carré blanc. Ok. Je crois que vous êtes des merdes. Vous m'avez menti. Vous m'avez menti, les gars. Si on peut retrouver le mec qui m'a dit de les mettre dans l'entrepôt, là. Ouvre l'inventaire de l'entrepôt. Comment j'ouvre l'inventaire de l'entrepôt ? Quand j'ouvre l'inventaire. F. Mais les gars, quand je suis dans la boutique, F. L'écart blanc sert juste à mettre que le même type de produit dans la boutique, tu peux pas faire avec la touche FC que dans les chambres que tu peux. Je ne peux pas. Je peux pas. Les gars, je sais pas, mais vous confondez le jeu en fait. Vous me brisez les couilles. Tu faisais au début de l'inventaire. Mais oui, mais c'est pas comme ça que ça marche, les gars.
Je vais vous éclater. C'est juste pas possible. Mais ça fait combien de jours qu'il est dans la chambre? Il faut vite des employés les gars, moi je vous le dis. Faut vite des employés les gars. Vite, vite, vite des employés. Je sais même pas où jeter ces cartons de merde. Ah ouais, parce que là du coup là je peux pas trop C'est quoi ça? Barre de chocolat. Barre de chocolat. C'est la dernière fois que je fais ça, moi je vous le dis. Hein. 100% j'en ai des employés après. Ok, je manque d'étagères. On manque d'étagères, ok. Je peux vendre les cartons. Ah ouais? Alors ça c'est une belle info ça, tu vois. Ça c'est vraiment une belle info. Ça c'est une superbe info. Ça c'est une superbe info. 5 de weed, attends. Attends. Attends mon gars. Attends. Attends. Bon, là les gars, là je vous le dis, il y a un problème. Le mec, ça fait 10 ans il campe là. Là, ça fait 10 ans le mec qui campe là. Ça fait 3 semaines qu'il est dans mon motel. Je n'y arrive pas. Bonjour monsieur l'agent, bien sûr. Tu veux pas des pop-corn avec monsieur? Hein? Awesome. Bonjour monsieur. Attendez, excusez-moi mais il y a un connard là. Avec sa poubelle là qui va me faire chier. Putain, il me faut des employés là. Ah putain, je t'ai mis trop d'essence connard va. Monsieur, bonjour. Patience, assurez-vous de servir les clients à temps. La patience affecte la note de la boutique. Je t'emmerde. Comment je choisis les prix? Vérifier la chambre 01 du client. Aïe aïe aïe. Mais tu rigoles? Mais c'est une prise d'otage! Oh le bâtard, putain. Oh le bâtard. Il a chié dans ma chambre. Il a chié. Oh la serviette. Oh là là, il l'a défoncé. Ah, il m'a baisé. Tu vois, j'ai bien fait de mettre double shampoing du coup. Parce que comme ça, regardez. Oh là là, il s'est régalé. Il s'est régalé ce bâtard. Eh, c'est quoi ce bordel là?